Le centre de formation Étape a démarré un projet pour créer une application tablette qui parle de la vie amoureuse et de la sexualité. L'application est un serious game, ludique et pédagogique à destination des personnes handicapées. Elle abordera les relations, les sentiments, la vie de couple ou encore la parentalité. C'est un jeu et c'est une scénarisation. Donc c'est deux personnages et il y a une relation qui se crée. Donc c'est plus facile d'apprendre quand on est mis en situation. Les travailleurs de l'ESAD de Célesta ont participé en écrivant le scénario, en réalisant les voix des personnages et de la voix off, et en testant le jeu. L'application sera en facile à lire et à comprendre. Avoir une application comme ça, ça permet de rappeler certaines choses, de rejouer. On peut rejouer 15 fois, 10 fois si on a envie. Le démarrage a été possible grâce à un premier soutien de la Fondation de France. C'est important pour que les jeunes comprennent qu'est-ce que c'est la vie. Qu'il ne faut pas jouer avec les sentiments de la personne, parce que ça fait mal. Il faut être d'accord tous les deux pour se rencontrer. Si on se protège déjà pas avec la pilule ou la plan, c'est plutôt bien ça. C'est important d'en parler. Oui, au moins ça peut m'aider. Cette personne, elle est attachée à moi, mais moi je ne sais pas comment lui montrer mes sentiments. C'est quand tu connais pas, c'est un peu plus difficile. Hein, de faire confiance à la personne. J'ai pas encore fait l'amour. Ça va peut-être m'aider pour mon couple. C'est compliqué, on comprend pas, hein, parce que ça veut dire aimer. Elles vont pouvoir accéder à des informations auxquelles peut-être elles n'ont jamais eu accès. L'objectif est de développer l'application et la rendre accessible gratuitement au plus grand nombre.